Le temps passe et le monde oublie toutes choses. Et un jour, le monde va aussi nous oublier. Moi, j'aime à penser que nous faisons quelque chose d'utile. Mention spéciale à ce malade mental de Malcolm qui s'est pris une balle. À Malcolm. À Malcolm. Un honneur de t'avoir avec nous. C'est une urgence. Je suis sur Epson Road. Un garçon a pris un choc à la tête, il bouge pas. Vous pensez qu'il a pu être renversé par une voiture ? C'est une possibilité, mais il était juste tombé de son vélo, en fait. Inspecteur Jim Milich, et voici le lieutenant Carl Summer. Qui est le témoin ? C'est un lieutenant de police. Il n'a pas voulu faire quelque chose de mal. Je vais te sortir de là. Voilà ce qui est arrivé. Je voulais vous dire en personne que nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver celui qui a fait ça. Vous l'avez aidé ? Oui. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. On n'est pas censé pratiquer une expertise complète du véhicule. C'est l'un des nôtres. J'ai pas trouvé ce gosse sur la route. Je l'ai renversé. Il a peu de chances de s'en sortir. Oh, c'est pas vrai. Je vais aller soulager ma conscience et dire la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure chose à faire. On doit garder le secret, sinon on est tous dans la merde. Toute la police, mon pote. On peut vivre avec ça. Une ambulance, c'est une urgence. Vous m'avez suivi ? Ça s'arrête ici. Allez, allez ! Je t'ai rien demandé, Carl. Bien sûr que si, tu me mets dedans et après tu laisses tomber. Pas question. La prison, c'est pour les connards, incapables de s'infliger un châtiment là-dedans. C'est pas ton cas. Ni le mien.